Ah bonjour à tous, bonjour YouTube. Eh mais oui, qu'allait-il donc se passer alors que nous allons prendre le TP? La réponse tout de suite dans le prochain épisode. Bam, fin d'épisode. Ah ouais. Et ça, là on voit qu'on se fout de la gueule des gens par contre. Donc non, on va jouer. Qu'est-ce qui se passe? Le Cliffhanger Leader Price, hein, comme nous l'a dit Cobra, évidemment, à juste titre. Ah bah oui, on dirait que nous avons de la compagnie. J'en étais sûr, c'est le dragon. Un autre dragon, génial. Je voulais mon opinion sur la situation. Ah oui, vas-y. Oh, c'est gros, c'est méchant, et ça lance probablement une tonne de flammes. Donc mon opinion, c'est que cela va être intense et chaud. Essayez de nous éviter d'être cuits vivants. D'accord. Ah ouais, mais non, mais ça aussi, il faut pas faire n'importe quoi. Oh, c'est un bon plan. Mais c'est pas un plan du tout, c'est juste on bourre comme des connards. Oh, flot de feu, il faut... flot de feu. Ok, bon, allô, déchirement, ok. Non, pas ça, ça, moi, Spirit, vous le savez, hein, voilà, on a déjà fait la blague 50 fois, qu'à un moment, on va arrêter. On avait dit qu'on lançait ça au début. Il y a quand même beaucoup de PV, hein. On prend ça. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était régénéré. C'est mal isolé en plus, ah ouais, ça c'est chiant. Flot de feu. On prend des dégâts cette distance? Ah oui, on prend des dégâts, faut être deux cases. Deux cases en arrière. Ok. On a beaucoup appris de nos erreurs. Pour le moment, le heal ça va. On va juste faire un heal de groupe. Heal de garde. On peut se faire ça en attendant. Oui, oui, j'y pense. Deux cases où tu tournes autour, non? Ah, peut-être. Essaye de tourner autour. Ne tournez pas autour du pot! Pardon. Bah oui, mais lui, il a tellement peu de mana qu'il nous emmerde finalement. Bon, on va healer hein, comme des porcs, hein, c'est pas grave. Oui. Ah, ça a bugué. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Putain, Cobra qui est chaud des conseils. Un petit comme ça, là. Ça, c'est gratos. C'est gratos. Hop, on interrompt une morsure de temps à autre. La provocation, c'est bon. Non, pas la même combat. Peut-être déchirement qu'on devrait arrêter. Oh putain, mais oui, mais j'oublie de heal là. Mange ma chair, ça et ça. Oh putain, merde. Oh, je sais pas. Je me suis pas bien rendu compte de ce que ça donnait. Hop, c'est bon. Re-heal. Remange ma chair. T'as encore 10 000 PV. Oh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup des PV pour un seul sbire. Peut-être le déchirement qui aurait annulé. Ouais. Oh là là, plus de PV, plus de PV. Putain, je me suis trompé. Merde, putain, pourquoi je me rapproche, quel connard. Là. Ok, j'ai le temps de revenir, hein, comme d'hab. Mur de ça, mais là, va falloir se... Bon, on va prendre une popo, On va tenter le diable. Ça serait terrible. Est-ce qu'il a encore son seau? Oui.
Putain, il fait mal. Il fait mal du cul. Pas assez de mana. Bon bah grosse popo de mana là. Pas de sort de feu. Oui. C'est vrai que ça sert à rien. Pour la régène, cela dit, mais. Ça j'ai fait au bon endroit, oui. Ok. Déchirement, on a dit non mais on peut pas, ok. Ah putain mais deux fois je te dis. Hop hop. Reduile. Putain il est c'est compliqué. Oh je vais utiliser mes popos de vie hein. J'en ai quand même 15. On est quand même 15, on va abuser, hein, c'est pas grave. Donc on va healer tout le monde comme ça. Petit coup de tombeau. Déchirement, bim. Alors 25% de 15 000 à vos calculettes. Ça serait bien que je lance ce sort. Ah oui, j'ai plus de mana. Vas-y, mana, bim. Concentration ici, j'aurais dû le faire plus tôt. Hop. 3750. Ok, merci beaucoup. On va refaire un ça. Ruine. Non, jamais deux fois le même sort, voyons. Pour ça. Ok. On s'en sort pas si mal. On va prendre le temps de faire ça. On va faire un comme ça. Merde. 1750. Ok. Le saut. Tourne déjà autour. Ouais, je sais pas. Je suis pas encore dos au mur, j'ai deux cases encore. Écoutez, c'est peut-être plus opti de tourner autour en effet, mais je suis lancé là-dessus. Et j'ai pas envie de perdre parce que j'ai tenté un truc et que je suis trop mongol pour l'exécutionner. Et aussi pour parler finalement. Donc je vais rester comme ça. Voilà, ça marche bien. Et donc voilà, je vais faire ça. Parce que c'est vachement court en fait, le flot de feu est vachement court au final. Et ça demande 3 mouvements pour... faut tac, tac, tac ou tac, tac, tac. Je sais pas. Ouais non, enfin je fais tac, tac. Gauche, enfin droite, haut, ça devrait marcher. Ouais je sais pas, je sais pas. Oui ça devrait être aussi bien finalement. C'est juste que voilà, fallait le réfléchir et jouer bien, ce qui n'est pas mon cas. D'accord. Bon, remana. J'ai pris les grosses. Putain, j'ai pris les grosses comme un gros connard. Oh, putain, j'ai pas pris les bonnes popos. Je savais bien que j'avais fait une erreur. Pas grave. Ouais, ouais, je me suis trompé. C'est moi qui les ai pas mis dans le bon ordre. C'est pas grave. En fait, elles sont plus petites, donc voilà. Mais c'est moi qui suis con. C'est moi qui suis con. C'est ce que je voulais faire. Hein. C'était mon objectif. Mais je me suis trompé. Bon, je refais mon tac-tac, hein, c'est pas grave.
Et là, on revient, on lui met la max. Pas assez de mana. Petite popo de mana, du coup. Voilà. Tac. Et tac, tac, tac. Heal pour tout le monde. Et mange ma main. Tu pourras pas. Ouais, je sais. Donc, tout à l'heure, au prochain flot de flamme, je fais droite haut. Ouais, ça marche pas des masses. Enfin, je sais pas s'il est bugué ou pas. Ouais, il est, non, il apparaît pas, mais putain. Petite popo de vie pour être sûr, pas faire le gland. Donc ça marche pas. Il reste à sa place, mais il peut pivoter. Pardon, putain, j'étais en train de me concentrer sur autre chose. Ah, pas assez de mana. Mais ça va, c'est pas. C'est passé, nice. Un petit bouquin, superbe compendium de la lumière, nice. Ouais, donc du coup, vu qu'il peut voter, c'était pas. J'étais sur la bonne strat en fait. Merci beaucoup. J'étais sur la bonne strat. F5. Ça mérite un petit festin. Un petit appel d'esprit calme, pardon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? On peut pas fouiller les skulls au... Non, non. Ça brille dès qu'il y a un truc à ramasser. Pour le moment, que dalle. Et donc, je suis arrivé par un TP, hein, cela dit. Ah. Il y a une ouverture ici. Il y aurait que ça. Ouais, il y aurait que ça. Bah écoutez, allez. On s'y est retourné, hein. On connaît le chemin. Bonjour. J'ai comme l'impression qu'on va aller au niveau d'après. Par sauvegarder, level 17. Waouh. Putain. Je vous ai... J'ai pas lu, hein. J'ai fait waouh parce que j'avais envie de faire waouh, mais bon bref. Waouh. Ça a été une sacrée descente. Ah, ce lieu ne cesse de m'émerveiller. Oh, si tu veux qu'une... Si tu veux dire que d'une manière folle... si tu veux dire d'une manière folle, putain, je sais pas m'exprimer. Alors je ne peux qu'acquiescer. Quiconque a construit ça est mentalement instable. Cette doublage n'a plus aucun sens. Plus le temps passe, plus c'est n'importe quoi. Bon, bref. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Petit dragon insecte. Ah, c'est dégueulasse ça. Bah, qui se parle pas. C'est vrai. Attendez. Ah, il y a quand même un passage là, quand même. Un petit truc qu'on n'a pas vu. Bon, c'est pas grave. Écoute, avançons. Avançons, avançons. Et refaisons. Attendez. On va faire un truc important. Qui s'appelle se délester de trucs qui ne servent à rien. Couronne. Non. Bottes. Non. Bibelot. Oui. Tunique, robe, non. Bibelot, non. Bouquin, non. Frometon, non. Pain, fromage, encore, non. Robe fermentée, ah oui. J'ai compris, je sais pas. Non, mais ça, c'est bon. Ça se trouve, c'est le chemin dans la lave. Putain, mais ça se trouve, ouais. Bon, on repasse, on part ça. L'épée du capitaine de l'ours.
Ah, ça fait pas mal de DPS, mais... Ah oui, ah oui, non, parce que c'est... Ah oui, non, c'est une deux mains. Ah, c'est une deux mains pour... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour vitriol. Hop. Oh putain, vitriol et ses armes de ouf. Petite... Oh putain, volonté, vigueur, parade, armure. C'est pas mal ça, c'est pas mal pour un carnaval ça. Ouais, tiens, prends. Petit bibelot. Conscience critique. Ah bah je vais filer ça à Philo du coup. Vigueur et parade, c'est très bien pour Canevan. Ah bah il y a du loot sympa. Et puis ça. Ah, je perdrais 6 conscience. Une demain pour jeudi. Quoi? Une demain pour jeudi? Pas compris. Je vais peut-être pas lire aussi. Hein. Ça c'est ça, vous le savez de toute façon, je vais pas lire. Qu'est-ce que quoi? Perdre 6 conscience pour un petit bouquin. Ça fait quoi ça techniquement? La glace il fait 88 PV de dégâts. Ça bouge pas trop les dégâts. A priori. Ah non, parce que qu'est-ce qui se passe? Je l'ai équipé à Canevan, Mongolo. Ah oui, ça fait perdre 4 dégâts. Ça fait perdre 4 dégâts pour finalement passer à 17. Oh, on va garder avant. Garder la conscience. Une deux mains pour Jedi. Ah oui! Et oh là là, il est si fatigué. Bon bah ça c'est fait. Truc relou est fait. Bah du coup on va aller au niveau 17. Putain 17. Bon, on devrait finir le jeu cette semaine. Ah, c'est, mais c'est horrible ces trucs là. Hein. Ça c'est ignoble. Hein. Je vous garantis que ça me donne des frissons. Non, bah j'essaierai la lag. Oh, vous voulez qu'on essaye la lave? En fait, c'est que j'ai envie d'avancer. Oh, bon, allez, on va essayer. On dirait qu'ils ont mal, ils crient fort. Vous voulez que j'aille voir la lave, c'est ça? Ok, allez, on y va. Ah, si YouTube, si tu t'emmerdes, n'hésite pas à mettre un commentaire et insulter Twitch. Ah, putain, oh, ce... c'est un mad loot. Ah, putain, on dirait... Ah, je voudrais pas... Ah bah... Je peux pas remonter du coup, on est con. On est con. On est con, on est con. Bon, on peut pas remonter pour le moment. On a jump. Il faudra retrouver le TP. Enfin, je veux pas me lancer, ouais, mais toute cette amas de vêtements pas rangés, ça me rappelle quelqu'un. Ah bah zut, faut charger. Essaye un bouton. Non mais on va trouver un TP après. Ne vous inquiétez pas. Avec un crochet activé peut-être. Oh putain. Un crochet activé. Ok. Ça c'est beau comme... Attendez. Et là il y a un TP qui pop là où j'ai foutu tout mon Barza. Pour le moment là il y a rien. Ah, je sais pas pourquoi on cherche maintenant alors que je suis garanti que c'est après. On voit rien. Non. Ah, je suis sûr que c'est après. Moi je suis sûr que c'est après. Bon allez, on y va. On avance. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours moyen de revenir en arrière dans ce jeu. Oula, ça monte. Oulala! C'est beau? Des gobelins esclaves. C'est jolie perspective, hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça va, mais vous êtes des salauds, c'est pour ça. Les escaliers, c'est bon. Go les affranchir. Bah j'ai essayé tout à l'heure. Ils ont pas voulu. Ils voulaient rester esclaves.
Tiens, ça... Ça m'a l'air d'être compliqué encore. Putain, mais je peux pas avoir là? Y'a un truc là ou pas? Vérifie le message de la chasse au trésor. C'était quoi? Lancez-moi dans une cage qui descend très très bas. F5. Mais j'ai l'impression que je peux... Oui, bah oui, bah c'est bon, c'est que c'est des escaliers. Gobelin esclave, niveau 17. Ok. Toujours le même bail. Hein. Oh là là! Eh oh oh oh! Tu me tapes moi, eh. Pourquoi il... Arrêtez de taper n'importe qui. Qu'est-ce qu'il fait, Canevan, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Canevan? Lance tes attaques, Canevan! Au secours! Mais Canevan! Canevan s'est endormi! Ah, c'est parce qu'on est dans l'escalier! Ils sont suicidés, ces cons! Putain, mais y'en a un, il est pas mort. Et il a regagné toute sa vie. J'ai perdu tout le loot. Tout loot, tout loot. Incroyable. Oh, il se passe comme ça que ça devait se passer. Par contre, je vais charger. Je vais charger parce que vous savez, dans ce jeu, finalement, il n'y a aucun moment, en fait... Jette la note du trésor, mais arrêtez de vouloir faire n'importe quoi. Il y a un nombre précis d'ennemis. Moi, c'est l'eau qui frotte. Il y a un nombre précis d'ennemis. Donc finalement, si je gagne pas l'XP de ces ennemis, c'est l'XP que j'aimerais jamais en jouant. Donc voilà, ouais, venez par là, les petits gobelinous. Ah putain, ils sont très moches. Mais venez! Mais arrêtez de vous suicider! Oh, faut que... Oh, ces gobelins esclaves, prêts à tout pour s'affranchir, même par la mort. Incroyable. Putain. Oh. Ah, j'avais oublié les joies du streaming. Putain. Bon, attendez. Oui, d'accord, revenez là. Ils ont choisi de mourir librement. Putain. Le suicide rend libre. Putain. On va rajouter ça. Oh. Bon, bref. Putain, arrêtons de raconter des conneries. Mais arrêtez, putain, non! Oh non! Bon, ça se trouve, on peut descendre tout en bas. Hein. Possiblement, ce que je suis en train de faire n'a aucun sens et aucun intérêt. Mais ouais, on va aller rush en bas, on va leur bloquer. S'ils survivent, tu peux les suivre. Putain, ouais, c'est vrai, techniquement. Commentaire sur ces gobelins suicidaires. Ah putain. Ah ouais, mais non, mais là, c'est problématique, là. C'est problématique. J'ai pas le temps de descendre. J'ai pas le temps. Et c'est vrai que techniquement... Attendez. Et là, on dit rien. On attend qu'ils avancent dans leur patrouille. Ah putain, merde, j'ai été trop rapide. Oh bon, top, cassez-vous, vous m'emmerdez. Oh, mais ça m'énerve, c'est de l'XP en moins. Putain. C'est l'XP, je vais me faire niquer après. Oh putain! Ah bah nous on survit pas. Hein. Bon, va falloir être patient, va falloir être extrêmement patient, ce qui est l'une de mes qualités premières. Hein. Vous le savez, la patience, voilà, ça me connaît. En fait, IRL, je suis patient et dans les jeux, en stream, ça m'emmerde. Mais IRL, je suis extrêmement patient, je garantis. Ah! J'ai reculé! Putain! On va rester une demi-heure sur ce passage, putain. Tu laisses en Canevan juste à coup de sort. C'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut aussi faire ça. Mais le problème, c'est que je prends pas l'aggro. Ouais, directement à gauche. Ok, ok, ok. Attendez. Attendez, faut pas s'énerver. On n'a pas fini de patienter à ce rythme-là. Putain, ouais, mais on n'a pas fini de finir le jeu non plus, hein, ce rythme-là. Donc, est-ce que là, c'est bon? Oui. Ah, gobelin! Mais non, mais pas... J'ai l'impression que j'ai peur maintenant. Venez ici, hein.
Gobelin. Putain. Ah là là. Oh, gobelin, gobelin, une autre fois peut-être. Ça parlera à personne d'entre vous, mais... Que de souvenirs. Oh, la grosse, ça s'appelle... Canevan. Mais Canevan. Voyons, Canevan, il serait temps de se réveiller. Est-ce que Canevan pourrait faire son boulot, s'il vous plaît? Est-ce que la modération pourrait faire son travail? Ah, c'est quand même incroyable, ça. Oh, je vais être obligé de faire ça. Dans le beach. Un petit pex. Oh là là, c'est compliqué, hein. On va passer en mono cible. Non, c'était confus, combat confus. Mais voilà. Ok, ok. Longue dague de franc-tireur. Pigeon et dragon. Enfin, je connais pas. Ça me dit rien. Alors l'Apex, parce qu'on n'est pas, on a pas fini de s'emmerder, vous le savez. On a déjà pris ça, on a déjà pris ça. Alors il nous reste pas grand chose finalement. Les chances d'esquive, on s'en fout un peu honnêtement. Quand on est enragé. On a donc tous les dégâts provoqués de 25%. C'est pas mal. Monte la résistance. Augmente notre hâte. Non mais c'est après les parades réussies donc. Oh c'est pas ouf. J'aurais tendance à prendre... Ah quoique les résistances, feu, froid, ombre... Pourquoi pas. Pourquoi pas tueur de mage. Ou le bonus sur le cri de rage. Ça peut être aussi une possibilité. Sachant qu'on avait déjà regardé les autres trucs, c'était pas ouf. Hein. Et vitriol. Le boost d'armes bleues au milieu. Bah, je sais plus du coup. C'était celui-là, augmente les bonus pour les coups critiques de 20%. Mais on fait pas de critique. Vitriol, vitriol, vitriol. Diminue la menace. Ah, on peut faire le point ici, clairement. On va refaire ça pour vitriol. Hop. Ok, F5. Putain, mais du coup, je suis perdu. Putain, avec ces histoires de gobelins, gnomes, esclaves affranchis ou non, dissidents. Donc là, on pourra descendre, d'accord. Ah putain, c'était c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose qui s'est passé. Hein. On a vécu un moment enrichissant. C'est pour ça que vous avez follow à cette chaîne, hein. Ça c'est garanti. Ah, j'ai tout le temps peur qu'il se suicide maintenant. Oh, c'est la merde ce... Ah, c'est bon, je les bloque. Vous êtes bloqués. Vous ne pourrez vous suicider. Ah, vous êtes beau dans votre accoutrement. Un petit pex encore. C'est beau. Très bien. Les deux derniers. Putain, ça suit, hein, c'est bien. Shiva, on lui a repris les mana max, donc ça c'est bien. Ça on s'en fout. Augmenter les dégâts de sort d'attaque, on s'en fiche. Ah bon, on pouvait prendre ça. Ah putain, on est en train de réfléchir là, messieurs. On peut pas faire ses pecs.
Déjà, vous vous suicidez, voilà. J'aimerais un petit peu être tranquille. Merci. Bon, bref. Oui, ça, c'était... c'était vraiment de la merde. Ça, c'était vraiment la grosse chiasse, hein, d'accord. Les dégâts reçus, ça peut être bien. Ou sinon, ça, quand je meurs. Mais il meurt plus souvent, hein, maintenant. Allez. Ça. Et là... Et là, on avait commencé à faire ça. Les coups critiques rendent du mana. Ça, c'est très très bien. Ça, pas de question à se poser. Ok, alors j'y suis. Je suis là. Bonjour, messieurs. C'est pour le mort de décès. Nous arrivons. Hein. Je peux vous offrir une petite mort rapide. Quand je veux dire une petite mort, je parle pas, hein, évidemment. Hein. Je parle vraiment de décès, là. Pas la peine de vous énerver, de vous exciter. Merci. Voilà, encore ça, puis après ça. Ça et ça. Le saut. Tac, tac, tac. Hop. Un anal. Ok. Bon, ça c'est bien. Ça, point positif, ils se sont pas suicidés. Ils sont morts par nos armes. Ils sont morts au combat, ils iront au Valhalla. Ok, faut encore tout traverser. Bonjour. Ah, j'ai cru que c'était un truc. Ah, c'est extrêmement étrange. Le niveau quoi? Niveau 17. Ce niveau 17 est étrange. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous ne survivrez pas plus à ce lieu que mon père. Que mon papa. Ok. Très bien. Écoute, oui. Oui, j'ai envie de te dire oui. Oh, qu'est-ce que... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai en train d'explorer n'importe comment. Restons sur notre strat. Oh là là, ça a l'air... C'est beaucoup trop grand. Dragon insecte. Hop, ça, ils sont 3 de front. Ils ont l'air de déconner zéro. Je vais renvoyer les sorts. Je sais pas si ça va être efficace. Oulala, oulala. J'ai mal au... J'ai mal au cul. Mange ma chair, tiens, mange ma chair. Très bien. Très très bien, ça, bravo. Bravo les petits amis. Attention de pas tomber. Oh, c'est le bazar. Oh, c'est tellement le bazar. Et ça redescend. Oh là là. Honnêtement, là, sans la map... Il y a comme un goût de relou. On en est où? 33. 33 export minutes. Chaud. Oh, ce labyrinthe de l'angoisse. Bonjour. Y'a quelqu'un? Ok. Prendre ma popo là tranquille. Oh, putain merde. Oh, non, c'est pas... Ok, c'est quoi? Gobelin bandit. Ok, les bandidos. Très bien. Tac, tac. Non, 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 non. Tac, tac, tac. Voilà. Thank you.
Ok. Bon, allez, hop. Parfait. Petit anneau. On vérifie, mais ouais, c'est que de la bouffe. Ok, F5. Putain, oh, c'est tellement le bazar. Oh, qu'est-ce que c'est? Parchemin à la carte. Oh, nice. On n'avait pas encore... On s'était pas vraiment servi de la map. Maintenant, on peut officiellement servir de la map. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Un boss, déjà? Oh, déjà un boss. Ah, tout le monde n'est pas Regen Fullman, quel connard. Là! Putain merde, c'est pas lui. Là! Notre sorcière préférée! Jana! Ou Yana, on ne sait pas. D'accord. Elle semble nous attendre, comme tous les autres. Elle est fatale. Vous voulez savoir comment? Sa capacité principale, succion de vie, la guérit pendant qu'elle suce la vie de sa victime. À part ça, elle a un paquet de sorts pour nous tuer tous. Alors préparons nos protections anti-magie. Quelle protection anti-magie? On n'a absolument pas de protection anti-magie. Ok. Ah, d'accord, bien compris. Putain, je mélange toutes les voix, ça n'a aucun sens. Bonjour. Jolie robe. Ah, 8000 PV. Oh là là. Ah bon, on a juste le contre-sort, oui, déviation de sort, mais c'est tout. Oui. Non, ça d'abord. On avait dit qu'on faisait ça au début, finalement. Incroyable. 2 minutes, 2 minutes 30, oui. Oh bah écoutez, on peut tout faire au début finalement. Dans l'optique de ce qu'on disait la dernière fois. Bon, boule de feu, on le laisse. Brûlure, on garde pour les soins, on est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Provocation, s'il te plaît. Boule d'arcane. Contre-sort, du coup. Hein. On va envoyer un petit... Et là, elle saute dans le vide. Arrête tes conneries, putain. Merde. Petit heal comme ça. Un petit mange ma chair. Un petit ça gratuit. Succion de vie, stop, stop, stop. Arrête de me sucer. Est-ce que le contre-sort fonctionne sur succion de vie? Putain, c'est tellement pas... C'est pas sûr ça. Après, le seau est encore présent. Tac tac. On peut se faire ça aussi. On peut se faire ça aussi, la régène de mana pour Philo. A priori oui. Mais enfin je sais pas. J'en sais rien en fait, tu vois, j'en sais rien. Je me souviens pas. C'est moi à chaque fois. Elle est très très sympathique, en tout cas. Le heal est bien. Hop, le saut, on peut le remettre maintenant. On peut remettre un heal classique. 1, 2, 3 du coup. Tac, tac. Baguette, c'est quoi baguette? Elle nous fait... Ah oui, c'est juste sa baguette. Ouais. Parce qu'elle a plus beaucoup de mana en fait. Ok. Ok, tac, tac. Ça, on continue comme ça. Alors à vos calculettes, hein, 8500, 25% divisé par 4. Un petit soin pour tout le monde et en plus 10% de dégâts en moins, ça c'est cool. Et après ça, merci Merek, merci beaucoup. Succion de vie, va te faire foutre. Mange dans ma main. Ça c'est régénéré, donc on va profiter. Pour le moment ça va, ça se passe bien. Ah mais Merek il est ouf. Ça.
Ok, on continue, c'est très bien. Voilà, des résistances, putain, résistance au feu, au froid de 20% quand même. J'avais pas vu. Là, je peux faire mon contre-sort. Ça, c'est gratuit. le saut est bon, donc... Ah, pas assez de mana. Alors, attendez, que je me trompe pas, les vieilles potions de mana, c'est celle-ci, donc on va lui donner ça. On va lui refaire la totale. Au petit Canevan. Succion de vie, va te faire foutre. On a mis 2100, ok. Tac. Bon, un petit sort de soin. Ça se passe bien pour le moment. Ma sorcière bien aimée. Ok, succion de vie, va te faire foutre. Alors, ensuite, on spam ça. Un petit sort de... Pas assez de mana. Les vieilles popos, je peux. Tac, tac. Bon, ça va le faire. Plus de mana. Ouais. Quand même pas oublié de se healer. Ce serait con. Reprendre l'aggro. Nice. Très bien passé. Une superbe épée nordique du rebelle. Nice. Facile. Je sais pas, ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre. F5. Voyons l'épée. Enfin, je perds 41 d'esquive, c'est pas notre truc. Faire un peu de vigueur. Le problème c'est que c'est une épée. Hein. Ici on a une hache. Bon, bref. Et les gars, pendant que nous nous enfonçons de plus en plus, j'ai réfléchi un peu. On est au niveau 18 déjà du coup. Oh là là, putain, ça tente. Oh là là, putain. Est-ce que vous pensez qu'il y ait une possibilité pour que ce gardien autoproclamé puisse être le jeune empereur? Si c'est toujours la même personne qui laisse toutes ses notes, et si le jeune empereur n'est pas mort depuis des années, alors je pense que c'est une forte possibilité. Ah, peut-être que c'est lui, peut-être que non. De toute manière, s'il nous bloque le passage, soit nous le tuerons, soit il nous tuera. Qui il est n'a que peu d'importance. Ah, c'est correct. Putain, merde, j'ai plus de bière, alors du coup j'ai du mal à parler. Nous serons prêts pour lui, quel que soit le moment où il viendra à nous. Putain, je fais n'importe quoi, je suis désolé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Au secours! L'important c'est de crier, hein, toujours. Des gobelins bandits au niveau 18. Ah mais nous on sort d'un combat putain merde. Comme ça. Je crée. Ah, faut pas que j'oublie ça quand même.
Ah, les afros débarquent ce soir. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah oui, il va falloir que je passe... oui, ah oui, faut que je passe. Nice. Là, je passerai en journée, je pense. Mais d'accord. Ok, bon, bah, on va revenir en arrière, par contre. Mais cette petite dalle, là... putain. Ça fait genre, on va se faire niquer la gueule. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Je prends bien note. Mais ici, on a loupé masse de trucs. Masse de trucs. Ou pas, ça se trouve. Mais si. Ah oui, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas visités. Ça fait combien de temps? 45 minutes. Il est 13h47. On va commencer à revenir en arrière. Ça va être une plaie à... Une plaie à... Comment dirais-je? Ah, nice. À explorer, pardon. Ça va vraiment être relou. Et donc, ah oui, là, ça me permet de revenir tout au début. Ok. Ah putain, incroyable! Oh, Cobra qui se délaisse de... Ah, j'invoque un fût de bière pour Ken Evan. Merci, Cobra, pour les 205 francs! Incroyable! Ah putain, grâce à Cobra Cryo, 6 personnes dans le chat ont obtenu un cadeau football! Incroyable! T'as chopé le passage secret juste avant. Non. Les passages secrets, non. La fin du niveau 16, non. Il me semble pas. Parce qu'en fait, du coup... là, on était bloqué là, en fait. On pouvait pas revenir en arrière parce qu'on était tombé dans la trappe. Et donc il y a un truc. C'est dans la salle en bas du coup. Dans les cases sur le mur de nord. Alors attends, on va retourner là-haut. Putain, on a essayé. Ah putain! Quel connard. Merci beaucoup. Ah putain, en plus on avait regardé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nice, comme ça on peut retourner du coup. Ici. Excellent. Oh, il y a des choses à explorer du coup. Ah, c'est mesquin. Moi j'ai pas eu d'emote parce que t'as jamais donné de cheers, je pense. Que du coup, c'est pour tous ceux qui ont balancé des tirs sur la chaîne. Enfin, des beats. C'est bizarre, ça. Ah oui, le TP qui ramène, je suppose, au hub de l'infini. Oh, oh, j'ai eu peur, j'ai cru que le jeu avait bugué. Et là, ça nous amène au niveau 16. Ok, alors je vais juste le noter. TP level 16. Et là je vais changer. Je vais mettre level 14 comme ça on a la même. Ok. C'est bien ce que je pense. J'ai jamais rien donné. T'es sûr que t'avais pas lâché un beat? Je te note. Je crois que t'avais donné un beat un jour il y a très longtemps. Au tout début. Non, d'accord, ok. My bad. Alors, par contre, du coup, on peut pas retourner ici. Ah, ça doit s'ouvrir de l'autre côté, du coup. Ah, quoique. Non, c'est con ce que je dis. Si, peut-être. En bas de l'escalier. Ah, il est là. Ok, ok. Nice. Ok, ça c'est cool, ça c'est excellent. Une bonne chose de faite. Nous avons désormais le raccourci. Très 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 bien. Ok, ça c'est good.
Bah du coup je sais pas. La lave. Putain mais vous êtes Bon, y a pas de passage. Alors appel aux développeurs, il n'y a pas de passage secret dans la lave. Ils veulent tous que j'aille me brûler, mais non. On est d'accord que c'est du... C'est de la fumisterie. Ils veulent tous me voir mourir de décès, souffrir. Vous m'avez déjà vu assez souffrir avec les gobelins suicidaires. Vous n'avez point eu votre dose. Ok. Putain, bah on avance bien du coup. Hein. On avance bien, on avance bien. Bon, ça, ça va être une plaie à... Ça va être une plaie à... Ça, c'est bon, normalement. À explorer, pardon. C'est par la lave, je te le garantis. Ah oui, donc du coup, on a bien un passage ici. Avec... Oh, oh, au secours, au secours. Bonjour. Petit dragon. Ce bruit. C'est vrai qu'on leur fait pas du bien. Ouais, les gobes ont sauté dans le vide. Et en fait, ils reculaient du coup. Ah, qu'est-ce que... Ah, j'ai looté la robe sans faire exploquer. On peut aller dans la lave, vraiment? Putain, mais... On essaiera. Ce sont des gobelins. Justement, en fait, on rigolait avec ça parce que, justement, vu que c'était les gobelins esclaves, on avait rigolé sur le fait que, justement, ils s'étaient affranchis de leur esclavage par la mort. Et c'était assez drôle. Mais du coup, vu qu'il y avait l'escalier comme ça et qu'ils étaient au bout ici, le fait de fight, ils ont souvent un mouvement de recul et donc du coup, bim. Mais ils mouraient pas. Il en restait un qui mourait pas. Ils mouraient pas tous de décès en tombant. Allez, venez par là. Vous allez lancer des trucs. Ouais, on est sûr. Hop. Ah. Bon, c'est assez drôle. Non, mais putain, Canevan est mort hein, de décès sans qu'on voit rien finalement. On rigole, on se marre et puis finalement on sait pas. Putain, mon petit cobra. Ah putain, merde, voilà, on fait les clans et. C'est parti, hein, la max. On met la max. Mais bon, c'est passé. Bah oui, non, mais l'XP c'est important dans ce jeu. On est limité en termes d'XP. En fonction du nombre de mobs qu'on rencontre. Il faut tous les tuer. C'est ultra important. Il y a un petit festin là, un petit repos, je sais pas quoi. Ah, incroyable. Bon, quel moment incroyable. Oh, ils avaient pas vu eux. Dragon de glace. C'est le petit dragon de glace. Oh, calme-toi. Oh là là, mais dragon de glace, calme. C'est pas un élite, mais calme-toi. Il était l'élite. Calme-toi. Oui, il y avait encore les trolls. Ouais, ouais, j'y ai pensé. Je voulais remonter, me faire les trolls. Hop, on y avait pensé, en effet.
Tac tac. Putain, mais pourquoi je. Pourquoi il mange tellement cher? Incroyable ça. Ah, tiens. Bien la menace. Hein. Vague de glace. Non. Ça fait du mal à tout le monde, ça. C'est pas bien. Voilà, nice. Oh, t'as, il fait chaud. Il commence à faire chaud là dans cette pièce. Je sais pas quelle est la température. Ah oui, 26 degrés. 26 degrés, c'est beaucoup. Ok, ok. Bon. Ok. Est-ce que... Non, c'est vrai que... Pas vu ça encore. Ok, il y a ces petits bouts à explorer là-bas. On va déjà aller voir ça et puis on va clôturer l'épisode là-dessus. On va clôturer le stream également. Petite potion. Non, non, je vais chercher. Je vais réfléchir du coup. Je vais prendre le temps de... De toute façon, on fait presque. Bon, je fais pas 100% 100%, mais. Au final, avec les petites astuces de chacun. On a vu une bonne grosse partie du jeu, c'est cool. C'est vachement cool. On va clôturer. On essaiera de réfléchir à ça pour la prochaine fois, voir ce qu'il y a fait. Surtout vu la map. Bah, c'est vrai que je joue beaucoup avec la map. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors que je pourrais activer la minimap là-haut. Hein. Bon, on essaiera de voir ça la prochaine fois. Ok. Ok, ok, ok. On va se mettre devant pour se rappeler qu'on voulait regarder ça. Alright, on regardera ça. Très bien, bah écoutez YouTube, merci d'avoir regardé. Moult bisous à vous, et puis on vous dit à très bientôt hein, pour la suite de ce let's play incroyable. Sur The Fall of the Dungeon Guardians. Ah, ça s'appelle la Tour des Gobelins. J'avais pas vu le nom de la map. Des bisous YouTube, et puis à très bientôt. La prochaine fois, on va du coup explorer évidemment cet endroit, et on passera au niveau 18. Voilà, à très bientôt des zoubis. Merci.